Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal sur télévision nationale d'Haïti. Jeudi, c'est lundi 25 septembre 2017. Main grand titio pour Assoya. Président République, Jovenel Moïse, accompagné ministre intérieur à collectivité territoriale, Max Rudolph Saint-Albin, visité samedi 23 septembre plusieurs quartiers dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, à qui ont l'école professionnelle qui fin construit dans WAF Jérémy. Chef l'État prend engagement pour soulager problème moun dans zone Silla. Ministre des Affaires sociales et du Travail, Stéphanie Auguste, rencontré plusieurs handicapés jeudi à Nampétionville pour le capable tendre doléances. Dans l'occasion, le ministre a distribué kit alimentaire par les participants. Responsable bureau avocat international, maître Mario Joseph, félicité discours président République, Jovenel Moïse, qui mandait Nations Unies pour respecter engagement concernant l'épidémie choléra dans le pays d'Haïti. Défenseur droit Mounlan souhaitait un bon dossier qui montait pour aider victimes choléra à joindre réparation. Et puis, une actualité en sous-plan international, Corée du Nord, Venezuela et Tchad, ces trois nouveaux pays, États-Unis, ajoutés dans la liste des décrets migratoires américains qui interdit citoyens pays sayo rentrer dans le pays États-Unis. Amis téléspectateurs, c'est Titi Sayo à copier l'autre information qui pourra faire essentiel journal pour Assoya. Nous invitons à rester branchés, nous retournons tout de suite après pause là avec le développement journal. Nous tendons ça au mandé. Et nous pouvons tirer toutes les limites. Parce que leur perdit sans fin payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre data et de data. C'est celle qui va rouler illimité sur data et de data. En effet, nous voulons prendre le roi avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis achetez plein de roi par là. Digicel. Oh! Ou ap chanje l'huile nan moteur ou? Jodi a, se jou chans ou. Kamyon se ou, se travay ou. Fok ou bal bon traitement. Et ak Mobil Delvac, moteur dire pi lontan. Soti premier janvier 30 septembre, chak fwa ou achete yon bokit ou bien yon galon Mobil Delvac ou bien coulant mobile, ou ap jwenn yon etiket jaun ak yon kòd an bal. 1. Gratte etiket jaun nan. 2. Voye kòd ou jwenn nan 90 sou telefòn Digicel ou bien ak kòm ou. 3. Ou ap resevwa la bou la, yon mesaj kap di ou, ki kado ou genyen. Tankou minit gratis sou telefòn Digicel ou swa nan kòm ou. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour votre camion rete jam et puis pour jouer le cadeau. Pour réclamer Primo, passez dans le bureau mobile qui sous route aéroport ou bien relé dans 2814 8100. Dans le cap haïtien, passez dans le bureau mobile qui dans bonnet du Gala ou bien relé dans 2814 8090. Oubliez rêve ou vignes en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre les portes bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies, tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite, à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Guyelmeri numéro 12. Ou bien relé dans 37 48 02 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site Lantou. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça y a kaba naturellement. Jugo, comme on remet, Jugo, le petit Jugo, c'est Jupéia.
Jugo, c'est un produit séjourné. Yon fois encore à saluer et puis remercier tout le monde qui branchait téléjournal là sous télévision nationale d'Haïti. N'a souhaité nous toutes une très bonne semaine sous TNH. N'a démarré tout de suite avec information yo et puis comme d'habitude c'est notre page météo. Est-ce que temps a clément pour nous pour semaine ça? C'est collaboratrice nous Nicole François c'est l'homme qui prend le bon nous toute information concernant temps. Nicole, bonsoir et très bonne semaine. Bonsoir tout le monde, avec un pile plaisir, nous retrouvons à Soyan pour page météo qui j'en saye et c'est ça nous allons apprendre qu'on y a tout de suite avec différentes images nous. Yo masse d'air très instable, humide, installé au niveau bassin Caraïbes aujourd'hui, hein? Donc c'est lui qui conditionnait temps pour le pays d'Haïti. Donc lui possible pour les favoriser activité la pluie avec quelques coups de l'orage sur quelques départements. Je ne vais pas garder sous 400. Donc, département qui est plus concerné par l'activité la pluie isolée, ça y est, de manière faible à modérée, c'est plutôt département nord avec la Tibonite et probablement département NIP avec Grandance, qui a une chance tout pour toucher partie activité la pluie très faible pour Assouayan. Pour le présent, avec les gens qui sous côté lieu, c'est encore un temps qui était instable avec chance légère pour une activité la pluie faible qui fréquentait quelques quartiers au niveau pour le prince Assouayan. Température là, t'es monté 35 degrés Celsius pendant la journée, donc la descend jusqu'à 23. Donc c'est dans la nuit, n'a une température qui est réellement fraîche au niveau Port-au-Prince avec des zones qui sous côté lieu. La page maritime là, Maryland pas trop agité au niveau côte nord et golfe de la Gonave, mais quand à côte sud pays, il est réellement agité. Donc là, nous demandons capitaine yo pour prendre pile précaution, les app naviguer à ce au niveau de côte ça et même journée demain. Demain matin, arrive avec un temps réellement ensoleillé sur tout département, encore avec de faibles chances d'activité la pluie au niveau pays dans l'après-midi. Dans la page astronomique, là, avant nous aller soleil, l'été couché à 6h42 sous Port-au-Prince et la pleuvée demain matin à 6h38. C'était un réel plaisir pour nous être ensemble pour l'information météo. Madame, Monsieur, merci pour attention. Nous. Excellente soirée. Merci Nicole. Et j'en ai annoncé dans Grand Titio, président républicain Jovenel Moïse, accompagné ministre intérieur à collectivité territoriale, Max Rudolphe Saint-Albin, visité samedi 23 septembre, plusieurs quartiers dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, à qui ont l'école professionnelle qui fin construit niveau zone WAF Jérémy. Enfin, visite là, président Jovenel Moïse promet administration Lyon prend le travail pour nous tête collée avec magistrats et puis députés Cité Soleil là pour capable réaliser plusieurs travaux infrastructure dans WAF Jérémy. N'a invité nous suivre un reportage avec Roosevelt Desrosiers et puis Jean-Naël Duvernay. Président de la République là, Jovenel Moïse, te démarré visite ça dans Richand Mas. Passer magasin de l'État, Monterie Saint-Honoré, Vieux Grand Rue. Al tombe boulevard Harry Truman, yon foud moun te accompagné chef l'État sur tout parcours. Rive Waf Jérémy, dans la localité yon l'école professionnelle tout neuf, président te profite parler avec population an, sous conditions difficiles li wè moun nan zone sa a vivre. Dans souci pour améliorer conditions sa, chef l'État annonce li pral louvri l'école professionnelle la kap permet jen yo apprendre métier pour faire face pi bien ak mauvè la vie. Yon l'autre bord, li promet construction plusieurs logements sociaux. Soje sa m'de di m'di m'bal continuer. Je vais corriger, je vais innover. Ça veut dire que je viens de voir Jérémy, je viens de continuer sa présidente Matéli. Vision président Matéli, c'était ça le déjeuner. Le gars de grosse local, ça. Grosse construction qui est là. Ça veut dire que son monde qui est combattu dans la tête. Et mais ça le déjeuner dans la tête, moi-même, je vais continuer. Je vais ouvrir l'école professionnelle là. Le projet, ça t'a fait. En face projet, il y a une sorte de mini-cité qui est là. Ça veut dire cité à moun yo a vivre dans mauvaises conditions. M'bral bay l'ordre pour EPPLS qui c'est entreprise promotion logement social dans pays a
même Jean ça a fait dans sud dans grandance dans nip m'a construit 2000 cailles là kounya même dit nous même Jean m'a fait dans sud là c'est comme ça m'va passer instruction pour petit caisse au moins là nous pas gagne belle bagage là et puis pour tout près nous petit caisse on va construire logement social pour nous tout bien problème nous c'est problème pam problème nous c'est problème éducation problème nous c'est problème blackout là problème courant problème nous c'est problème logement problème nous c'est problème route problème nous c'est problème de l'eau pour nous boire de l'eau pour nous rouger jardin problème nous c'est problème logement social caille problème nous c'est problème la vie chère problème nous c'est problème l'école pour nous aller mais qu'on problème nous mais qu'on problème nous problème nous c'est pas possible dans quartier populaire pour chaque temps on monde besoin faire besoin ni et puis c'est dans gratter tête moi pour aller mettre ton programme moi pour aller mettre ton programme bloc sanitaire dans tout quartier populaire honnête pour nous joindre bonne toilette hygiénique pour nous servir même à tout le monde c'est monde nous président Jovenel Moïse annoncé une série l'autre visite chaque jeudi il prend le temps dans plusieurs zones dans le département l'ouest là après Roi Jérémy c'est prend tout pas Cité Soleil La Saline Fortouron Axolino. Nous t'ai annoncé dans Grand Titio tout, ministre Affaires sociales et travail, Stéphanie Auguste, rencontré plusieurs handicapés jeudi à Pétionville pour être capable de tendre doléances. Dans l'occasion, le ministre a distribué kit alimentaire par les participants. Rencontre a fait en présence du secrétaire d'État pour les handicapés, Gérald Auriol Junior. Nous avons suivi un reportage Marie-Jolouis à Quadson Labrousse, qui préparé pour nous. Jean Santé prévoit, ministre des Affaires sociales et travail, qui a parlé à plusieurs handicapés et puis distribuer plusieurs kits alimentaires. Une façon pour le prendre dans les gens et puis comment il peut travailler dans la tête collée avec le secrétaire d'État mon handicapé pour améliorer la situation. Il a participé, il a profité de présenter le cahier dans les gens par le ministre. Chelte était là pour 2 ans, depuis après le tremblement d'État, mais il y a 7 ans. Madame la ministre, essayez-vous une délégation en bas, nous-mêmes nous avons à bois ouvert. Nous-mêmes nous avons bataille pour revendication, droit intégration, mon handicapé changé normalement pour nous une caille. Pour nous être l'école. L'État dit, à partir de 30 km, mon handicapé malade, il doit aller à l'hôpital qui est plus près là pour avoir soin normalement. Soin ça, le handicapé n'a pas de quoi, à partir des taxes, mettre l'hôpital ça paye l'État. Il y a un petit peu comme ça dépensé pour moi. Je veux dire, c'est nettement négatif. Même si on dit qu'il y a un peu pour être là, il n'y a pas de l'hôpital, il n'y a pas de comme. C'est l'embête à mes détails. Madame, il y a un peu de pile. Ministre des Affaires sociales et du travail, Stéphanie Auguste, a expliqué que le gouvernement travaille pour accompagner la catégorie Mounsayo. Et c'est une raison qui explique l'activité. Volonté, président Jovenel Moïse avec le premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Je suis 15 jours. Que ministre, comprenez, ça veut dire que jeudi a été fait exactement 8 jours et nous avons l'importance que m'accorder avec les gens à mobilité réduite, les gens qui ont invalidité, déficience physique. Et c'est pour ça que je suis là, parce que pas de meilleur côté pour me rencontrer tout le monde. C'est pour ça que je fais invitation pour me cacher, pour me parler avec nous, pour me connaître qui ça vient pour faire. Participants ont salué l'initiative là pendant qu'ils ont souhaité le ministre pral travail sous revendication. Et bien, on a profité d'enchaîner ensemble avec magistrat femme dans la zone métropolitaine qui réalisait une visite 8 jours dans divers coins dans le pays États-Unis. Visite là permet magistrat Yoshita parler avec plusieurs personnalités. Magistrat Arcaïen, Rosemila Petit Frère, dressé un bilan positif sur voyage ça, côté le fait qu'on ait eu recevoir diverses promesses dans plusieurs domaines, tant que santé et assainissement. On suit un bout dans le micro TNH. Responsable India, vous mettez d'accord ensemble avec nous, puis vous regardez le projet que vous avez sur Haïti, et plus centré sur. Organisation MERES pour que vous puissiez travailler avec magistrats spécialement. Au niveau en santé, nous avons rencontré ensemble avec le responsable du district Salisbury. Nous mettons d'accord pour venir visiter nous là très prochainement. Ensuite, pour nous avoir une délégation cadre qui sort dans chaque commune qui pourra prendre formation et qui pourra venir travailler ensemble avec les femmes qui sont dans la section communale. Au niveau ville Ocean City, nous avons rencontré avec le magistrat Richard qui promet nous et que pour faire des échanges ensemble avec nous, par exemple,
li parle nous dans moment vacances, c'est un moment touriste visiter ville ça en pile possibilité pour que li vienne visiter nous et mettre le d'accord ensemble avec nous pour nous guider des jeunes qui sortent en Haïti qui a visiter ville ça et permettre que au travail même pendant moment vacances et retourner en Haïti l'école l'ouvrir. Ensemble avec Ville Salisbury encore, nous t'ai rencontré avec magistrat Ville ça qui promet nous encore pour que nous capable travailler ensemble, faire partage d'expérience comment on fonctionner au niveau urbanisation, construction comment on faire construction Ville ça. On seule différence qui gagne avec en Ville ça yo, c'est parce que eux même yo gagne des compagnies qui travaillent au niveau de construction qui permettent que Ville là bien construit. Or nous même en Haïti journée aujourd'hui, c'est à travers ingénieurs, boss maçon yo nous fait tout ça. L'imam des journées aujourd'hui pour que nous même mérissio nous mettez nous d'accord pour nous faire formation tout pour ingénieurs nous yo pour contremettre nous yo pour que ensemble plan urbanisation que nous gagnons li capable appliquer en Haïti parce que c'est même bagarre nous gagnons ensemble avec yo c'est application seulement qui pas arriver faite comme ça doit. C'est ton partage d'expérience et permettre que nous ait qui partenariat nous ca mettez former ensemble avec Ville Sayo pour que nous ca faire échange parce que journée aujourd'hui nous un phénomène fatra qui a mangé nous en Haïti mairie dépourvu de tout y a pas de moyens pour nettoyer ville yo ouais qui partenariat nous ca mettez ensemble comme même c'est des grandes villes que yo y y a des possibilités passer nous ouais comment yo ca accompagner nous non moyens que yo gagne yo même pour que nous ca avancer et ça t'est montré que tout volonté ouais que nous gagne pour nous avancer ça t'est en provoquer la caillou nécessité pour dire que y a vienne visiter nous pour voir comment la caillou nous est et qui a appuyé capoté pour nous dans fonction que nous gagnons. N'a pas poursuivre pour nous faire connaître président commission intérieur à collectivité territoriale Sénat Francenet Denius poté solidarité li bay 49 mairies li dit qu'a fait grève pour collectivité territoriale là capable joindre l'argent pour développement zonio. Parlementaires critiqué collègues sénateurs et députés yo, li di ki toujours mettait l'argent dans budget national lan dans collectivité territoriale lan. Cependant, magistrat yo pas jamais capable utiliser l'argent sa yo toujours d'après ça li fait konnen. La pote plus précision dans micro Fedner confident ak Moïse Wilbridge. Yo gen raison parce que comme ki nan budget pour collectivité yo vraiment yo pas passé par collectivité à pour dépenser et moi-même moi connais gain 1 million de gourdes pour chaque section communale gagne entre 7 millions à 10 millions de gourdes pour chaque commune et gagne 75 millions de gourdes pour chaque département et ni département ni section communale là ni commune c'est collectivité territoriale que yo et moi-même en tant que président et commission intérieure et collectivité territoriale moi toujours déploré immixion et député et sénateur l'an et gestion comme ça et me penser que si merio yo vraiment a et protester et pour question ça et nous-mêmes en tant que président commission nous porter appui une baio nous dit et 570 sections communes et sections communales à 1 million de gourdes c'est 570 millions 10 millions par commune c'est 1.4 milliards et 75 millions par département, c'est 750 millions. Donc ça fait à peu près presque 2 à 3 milliards de gouttes pour les collectivités territoriales. Maintenant qu'on est là, est-ce que le gouvernement libéral impliqué ou bien libéral by leadership, investissement, que comme ça là pour le faire dans la collectivité à Merio? Et là, moi-même, moi derrière Merio, et je pense que y a une raison pour y protester et faire tout, utiliser toute stratégie possible pour comme ça. C'est eux-mêmes qui déterminent qui projet pour faire en dans collectivité. Non, mais ça, c'est position PAM, monde qui croit que il y a une grande façon pour l'État arriver pour tes services par la population, c'est en passant par les collectivités territoriales qui ont une certaine proximité à la population. Et bataille ça, je crois là-dedans avec que ce soit Kazekio, que ce soit Merio, et qui ont même en dans collectivité territoriale. Et moi-même, moi, crois c'est. Et de bonne guerre que Merio yo même yo contesté parce que c'est de cob qui en dans budget au nom des collectivités territoriales nous dit 1 million de gourdes par section communale entre 7 à 10 millions de gourdes si je ne m'abuse par commune 75 millions de gourdes par département là n'a parlé de collectivités territoriales mais effectivement moi même souhaiter que fonds ça yo transférer yo et là sous compte collectivité pour yo même yo capable servir population comme ça doit.
Et puis l'autre point abordé dans le journal, la pluie cyclone Maria Poté, la cause inondation dans plusieurs villes et zones dans le département nord et nord-est pays d'Haïti. Population zone ça a demandé intervention autorité dans l'état yo pour aider yo faire face à cause inondation chaque fois la pluie tombe. Esaïe Aurélus et Hervé Pierre te fait un petit coup de pied, y a un reportage. Blue Hills, La Fossette dans Cap-Haïtien, ak Boudmen dans Limonade et puis quelques quartiers dans Grand Rivière du Nord, ces zones ça yo qui te plus touché ak la pluie cyclone Maria te la cause. Ces rivières au du Cap, canal Zétrier ak rivière Paroa qui descend et puis envahi kay ak plantation citoyen yo. Yon situation d'après yo qui rive chaque fois la pluie vini ou soit gen cyclone. Yo souhaité autorité concernée yo agi nan kirage canal ak rivière sa yo pour aider yo joindre solution ak inondation. Lorsque rivière Grand Rivière descend, eh bien nous même pas bon ici handicapement nous gagnons pas qu'à supporter de l'eau parce que rivière mandé pour l'ouvrir pour dresser de l'eau pour que nous capable joindre une solution avec elle pour que nous même dans zone nous capable rester à l'aise. Autorité locale yo autant que pour yo à investir dans assainissement plutôt que yo penser nos projets durables yo aller au niveau mon yo reprendre dans bassin versant yo puis capable canaliser de l'eau puis connait qui direction yo capable bailler de l'eau pour éviter inondation qu'a fait moyen matériel construction anarchique c'est parmi divers autres problèmes qui provoquent inondation dans temps la pluie ak mauvais temps d'après quelques autorités locales. L'aide de l'eau a vini, li va un côté pour le faire, l'obliger rentrer la caille moun yo quitte zone yo konn fait zone ça c'est jardin yo konn fait là-dedans. Li pas zone côté pour moun habiter. Mais moun yo vinn construire comme nous même nous vini son héritage nous vinn joindre là c'est pas nous mêmes. Et n'a demandé ministère travaux publics pour accompagner la mairie pour aider nous avec ces rivières pour pas commettre plus de dégâts parce que ça et nous vraiment et en difficulté rivière tout côté rivière c'est brèche toute brèche est ouverte depuis la pluie a fait on petit tombé en haut et puis nous monde de limonade nous envahi situation grave nous dans cinquième coup de l'eau pour qu'on y a là l'état central pour aider nous avec situation ça parce que nous avons perdu et monde de limonade. Département Nord et Nord-Est, c'est des départements qui plus concernés avec le passage des derniers cyclones, Irma et Maria. Habitants de Sayo, quoi, responsables doivent voyager sous département Sayo. Et puis nous avons parlé de ça dans Grand Sitio, quelques jours après participation président Jovenel Moïse dans la 72e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Responsable bureau avocat international, maître Mario Joseph, réagit sous discours président devant l'Assemblée générale qui parlait sous dossier victime choléra. Maître Mario Joseph applaudit président qui mandé Nations Unies pour prendre responsabilité et puis respecter engagement concernant épidémie choléra dans le pays d'Haïti. Yon lot bord défenseur droit mounan souhaité président et des victimes choléra yo joindre dossier pour procédure réparation. On suive yon bout nan micro Woodley Noël ak Lord Oli Jean-Jacques. Nan premier temps nous vraiment accueilli et avec satisfaction les réactions bien des déclarations monsieur Jovenel fait devant tribune Nations Unies et concernant d'abord choléra et concernant les victimes d'abus et d'exploitation sexuelle et demander pour que yo réparer victimes et victimes yo. Donc moi je pense que c'est une tâche l'état PCP premier défenseur et peuple haïtien c'est l'état c'est monde qui dans l'état yo. C'est le Premier ministre, c'est le président, c'est le parlementaire. Malheureusement, ça prend un paquet de temps avant que les déclarations soient venues. Et rappelez-nous qu'il y a des déclarations qui étaient faites des prédécesseurs, M. Jovenel, qui étaient très, vraiment, pas défendre, pas dans l'intérêt, peut pas ici, mon victime de choléra. Action, non pas parole. Donc, et si et M. Jovenel n'a pas fait action, eh bien, parole, il fait, il dit devant les Nations Unies. Et il ne pas servir à rien. Et nous-mêmes, nous pas le mettre devant fait accompli. Parce que victime de choléra, tu as cherché cette fille médicale dans l'hôpital de l'État, par exemple, l'hôpital Mibale, l'hôpital Saint-Mac, et que tu as refusé, malgré ce que tu as fait devant le ministère de la Santé publique, malgré ce que tu as fait devant l'hôpital Mibale, et bien, pas jamais. Tu as pensé que tu as victime, puisque M. Jovenel favorable à la question, parce que c'est l'État qui est bloqué. Et je pense que
ministre de la santé publique là, et après même la emboîter le pas à déclaration monsieur Jovenel là à ce moment-là là pral bail mon yo c'est médical. Donc dit l'autre semaine victime choléra yo pour aller dans l'hôpital Saint-Marc, yo pour aller dans l'hôpital Mibale pour chercher cette figure. Nous gagnons tout mesdames qui victimes qui a porté petite pour et qui a gardé petite disons mieux pour casque bleu yo et dans arrière pays là et nous t'ai déjà sommé et Nations Unies madame Sandra Honoré pour nous te dire on sait l'information pour le banon et puis pour te bailler moun sur pension alimentaire un an passé il va jamais faire bon c'est bon moment pour lui avec déclaration monsieur Jovenel là nous pour aller et mettons en action pour pension alimentaire et garde de l'enfant et devant tribunal puisque tribunal haïtien compétent suivant article 52 accord de siège là donc nous rien pour notifier. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause dans le journal. Sans amis téléspectateurs, n'a pas invité nous rester branchés. N'a pas retourné tout de suite. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que les opérés disent qu'on finit payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec les data. C'est celle du sel qui va relever illimité sur data avec limite. En écrit nous plan gros le roi avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis achetez plein gros le Paula Digicel. Oh! Pour changer l'huile dans le moteur, je dis c'est juste chance. Camion c'est où? C'est travail. Faut qu'on balle bon traitement. Et avec mobile d'Alvac, moteur dure plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois que vous achetez un bokit ou bien un galon mobile d'Alvac ou bien coulant mobile, vous achetez une étiquette jaune avec un code en balle. 1. Grattez étiquette jaune. 2. Vous avez code ou jouez dans 90 sur téléphone Digicel ou bien à com. 3. Vous avez recevoir la boule là, un message cap dire qui cadeau vous gagnez. Vous communique gratis sur téléphone Digicel ou soit à com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile d'Elvac pour votre camion qui était jam et puis pour jouer le cadeau. Pour réclamer Primo, passez dans le bureau mobile qui est sur route aéroport ou bien relez dans 2814-8100. Dans le cas haïtien, passez dans le bureau mobile qui est dans le bonnet du Gala ou bien relez dans 2814-8090. Oubliez rêve ou vignes en réalité nous a fait la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies en cours, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïde, sinusite à quelques lotes encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relé dans 37 48 0220 et 42 56 51 80. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça y a kaba naturellement. Merci parce que nous toujours été branché journal sous TNH. Deuxième tranche a démarré dans la page éducation pour nous faire connaître. Président commission éducation Sénat, sénateur Dieu Piché Rubin,
préoccupé sous situation politique paysan à question grève et puis manifestation qui gagne en pile conséquence sous secteur éducatif là. Parlementaire a demandé opposition en yon trêve et puis souhaité gouvernement dialoguer avec yo dans l'idée pour joindre une solution sous dossier loi finance 2017-2018 là pour faciliter timoun yo passer une bonne année scolaire. L'été dans micro Fidner confident avec Moïse Wilbridge. Sous éducation en grève là, il y a pile conséquence parce que nous connaît même gens nous dit dans famille haïtienne yo, ça nous rive quitter pour timoun yo, c'est ça nous permettre que yo mette dans tête yo et c'est ça qui a servi yo demain. Donc nous regrette situation qui a bien gros conséquences sur l'école timoun yo. Mais nous pas qu'à minimiser revendication moun yo tout parce que nous besoin pays à stabiliser vrai, mais nous besoin tout que pays ça demain tout bagay ka fait bien là-dedans et que ti moun ka jwenn une atmosphère qui est vivable pour que on continue à vivre. Comme ça, nous devons, l'État doit prendre toute responsabilité pour que on rencontre acteurs que on doit rencontrer à tribord et à bâbord pour que pays ça arrive à marcher. En politique, il y a les non-dit. Et même yon moun ka ba yon interview kon paquet bagay ou pa osé dit parce que en homme d'État, faut toujours gon réserve que on gagne. Et m'a dit yo, il y a autant de sénateurs qui sont conscientiser autour de la question, qui comprennent l'importance, mais qui comprennent tout niveau de démagogie qui traverse ça qu'a fait, et qui comprennent tout niveau de prétexte que vous prenez là-dedans, et nous conscients à réfléchir en homme d'État, et nous dit que les bonnes décisions seront prises, et bonne note est prise, mais nous demandons une trêve. Permettre que Timounio à l'école, permettre que le pays a fonctionné, permettre que nous rentrions dans le dialogue. Et m'a demandé tout que gouvernement lui-même pour que lui rentre dans le dialogue avec qui c'est moun ki moun kap soutenir et moun ki opposition pour pays ça rive marcher. Parce que plus nous enfonce la déstabilité, nous va joindre, c'est nous tout encore qui va le payer conséquences. C'est pour petit nous qui pas à l'école, c'est pour moun nous qui a perdu dans business qui a fait, li pas mener aucun côté, pas gen personne moun qui va le bénéficier. N'a prêté sous même lancée ensemble avec député circonscription Kay ak Ila Vachlan, Clovis Robas qui critiquait opposition en Lydie qui a fait manifestation contre loi finance 2017-2018 comme prétexte pour régler l'autre dossier. Député qui reconnaît tout le monde qui a droit pour manifester dit cependant ça t'a doué fait dans respect droit l'autre tout. En suivant bout. Moi, estime li normal pour des citoyens avisés faire débat sur une loi d'importance qui est la loi de finances du pays pendant toute une année. Et c'est à partir de loi ça, toute action gouvernementale qui a posé, et c'est à partir de loi ça, si vous bien posé action, le peuple est capable de vivre une autre réalité. Moi, j'ai un problème avec Jean. Contestation yo a fait jodi. Moi so di nou que m d'accord pour débat fait sous budget, mais forcé des débats qui gagnent budget comme cause profonde et cause occasionnelle. Moi j'ai un problème avec l'autre débat qui pas gagne budget comme cause profonde, qui gagne seulement comme une cause occasionnelle. Nous gagnons pile bagay là qui crée problème et jodi a grâce à la technologie de pointe. Et presque tout jeune qui a accès à un téléphone intelligent, il est capable de prendre information. Et il y a des gens qui sont très avisés, qui sont informés, qui connaissent. Et que jodi a, il y a un pile secteur qui servit avec budget comme cause occasionnelle, mais qui a des gros bagailles, et bien il y a défendre, mais qui profite pour un budget pour passer sous lit, pour régler ça au besoin. Jodi a, d'après information qui a circulé, nous tout compte ça, des questions contre asphalt, des questions contre courant, des questions tout, questions pour la et président prévoit pour mettre sous tout pays pour faire pour les deux chers, pour faire des millions et qui va empêcher une série de pays vendre pour axer bay pays a, gen bay ça au cap défendre tout. Jodi an, gen des monde qui utiliser budget a, y a montré que c'est question budget a défendre par exemple. Nous avons une grève qui était faite là lundi dernier. Côté que il y a un pile et chauffeur transport public qui pas sorti dans la rue. Et après ça, nous avons gardé le lendemain. C'est fiche gaz
qui a un bien renfloué et machine moun sa de carburant. Et c'est preuve clair que moun sa ou te gen un secteur cap financier. Nan okay, nous tande gen manifestation qui fait un pile moun pose question. Comment fait caravane nan okay et puis gagner manifestation? Et qui sa fait caravane, qui sa fait manifestation écrasée, li pa continue? Eh bien, manifestation que t'as fait au Kaila, là, gagné Robert Pierre Richard, que tout le monde connaît sous nom Kirby, qui c'est un militant de Vierge d'Atlan, département sud là, qui fait preuve déjà tout. Eh bien, tout de suite, qui te prend micro la presse pour dénoncer deux machines avec plaque IT, il pas de bail numéro yo, il te gardé pour le bail numéro yo, qui te vient porter l'argent vini pour te bail moun pour te faire manifestation. Et c'est à partir de ça tout, manifestation te tout crasé. C'est preuve claire. Que gagne des gros lot intérêt cap défendre cap bail l'argent pour faire manifestation à tant que ce budget pendant ce temps reconnaître de dire nous ça déjà droit pour tout citoyen aviser poser question sur budget pour analyser budget pour dire mais qui ça d'accord mais qui ça pas d'accord mais tout moins contre secteur qui antinationaliste antirépublicain antipeuple qui utiliser budget pendant que eh bien en sous-jacent ces affaires personnelles. On a profité enchaîner ensemble avec responsable coalition organisation démocratique là qui annonçait deux journées manifestation jeudi 28 à samedi 30 septembre 2017 là pour continuer dénoncer décision président République là Jovenel Moïse prend pour publier budget 2017-2018 là dans journal Le Moniteur. Ancien sénateur Saint-Lan, Simon Dieuseul Dera a apporté plus de détails dans micro Télévision Nationale d'Haïti. Depuis ce mouvement, peuple a fait, au nom de l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit les gouvernements violent les lois dans le pays, seul porte sortie du peuple a gagné, c'est insurrection, c'est mouvement populaire. Donc nous campons derrière l'article 35 ça. Monsieur Jovenel, lancez le dialogue. Il est capable de faire dialogue avec la PHTK, il est capable de faire avec Bouclier, il est capable de faire la Tibonie dans l'action. Il est capable de faire tout avec le parti politique et qui veut faire qu'on ait existé. Et puis, après, vous suivez ensemble avec quelques partisans PHTK dans la commune Saint-Marc qui organisaient un sit-in sous place lundi 25 décembre dans l'idée pour dénoncer. Quelques moun nan opposition an yo di ki pran budget a comme prétexte pour faire désordre en dans pays a. Coordonnateur PHTK nan Saint-Marc Franky Noël a pote plus précision nan micro Richardson Jourdan ak Michel Joseph. Nous di sitin sa nou fèl en signe de solidarité avec président Jovenel parce que nous te goumen pour que nous mette sous pouvoir la population haïtienne nan fèl confiance li bal yo mandat pour 5 ans. Que monsieur y a le travail pour que normalement si vous avez besoin de pouvoir, un jour y arriver gain pouvoir parce que nous même c'est travail nous qu'on travaille population fait confiance nous gain pouvoir et yon pays pas qu'à fonctionner sans budget c'est normal pour gon budget normalement pour répondre avec des idées à peuple là pour répondre avec promesse de campagne que président Jovenel a fait tout au long des campagnes et moi pense normalement et problème monsieur il pas problème budget. Lycée problème, $1 million pour chaque kilomètre route qui coupé. Je ne dis pas, président Jovenel, asphalté 22 kilomètres route pour $500,000. Lycée problème pour volume l'argent, monsieur, qu'on a fait dans la question courant. Et je ne dis pas, monsieur, pas capable, avec contrat président Jovenel, prendre initiative pour que normalement, lui permette que la population haïtienne lui bénéficie courant 24 sur 24. Je ne dis pas, section communale, pour courant arriver là-dedans. Et pour question et situation peuple là pour lui changer parce que c'est problème monsieur ça c'est pas problème et budget vrai et n'ayez qu'on est en menti son dalle et propagandiste terroriste cap bat pour yo emprisonner l'esprit population haïtienne non dit non ça va passer et population à travers milliers reculé yo nous même nous sortis dans votre paysan. Paysan au moins les gros petits monde qui fait 9e année la caille chaque paysan chaque famille au niveau milieu paysan eh bien c'est pour nous dire que monsieur pas qu'à faire n'importe qui matraquage rapide vite population qui attend découvrir monsieur que c'est menti à faire c'est faux nouvelle question diaspora a payé
10 000 gouttes pour venir dans le pays, c'est menti. C'est matraquage politique, monsieur, a fait. Et bien, journée aujourd'hui, nous démasquons les gars, la population commence à voir en bas. Nous continuons à avancer dans le journal ça pour nous dire, dans l'occasion 16e conférence, les lundis de la presse, ministère communication, recevoir, jeudi lundi 25 septembre, un membre commission restructuration à renforcement Centre national équipement, Quinton Louis. Conférence ça, c'était l'occasion pour Quinton Louis parler sur ensemble travail qui a commencé à réaliser dans le CNE, tant que réparation et récupération plusieurs matériels qui déjà à travail, yon manière pour bailler population plus service. En suivant bout dans micro Rachel Saint-Fort avec Lord Olivier Jean-Jacques. Réaliser inventaire de tout matériel CNEO à travers le pays. Nous installer, nous réparer et installer trois gravels qui ont produit matériaux pour construire route, pour faire pont dans tout le pays. Et matériel ça yo, gravel ça yo, nous installer dans zone ça yo, dans Tabar, département l'Ouest, Campirin, département sud, à Cul de Gomorne, dans la Tibonite, dans Campirin, nous gagnons un gravel CNE, Cap Moulin Roche, pour produire matériaux sa yo. C'est avec eux, nous faisons asphalte, Cap asphalté route dans sud. Et d'après projet président, avant caravane quitter Grand Sud, là, n'a asphalté tout au caillou. Ces mêmes gens, nous avons gravel dans Tabar qui va produit matériaux pour que nous asphalter route dans le département l'Ouest. Même bagaille pour le département la Tibonite. Nous avons réparer 248 matériels qui jodi a au service de la population. Nous réparer 200 camions ben bascule, 10 loaders, 8 rouleaux compacteurs, 8 gradeurs, 9 doseurs et 11 pelles excavatrices. Matériel CNU, nous réparer. Il est très utile à pays. C'est avec matériel ça yo que le président de la République là, t'est arrivé irriguer 197 canaux d'irrigation dans la Tibonite, 87 canaux de drainage et 100 km route agricole avec matériel CNE. Dans le temps, pour drainage ça a été arrivé fait dans la Tibonite, l'État haïtien, ensemble avec ONG, te compte dépenser 68 millions de dollars américains avec CNE qui ressuscitait l'État haïtien. Rive fait même travail ça yo avec seulement 4 millions de dollars américains. Et n'a dit peuple haïtien, yo capable compter sur l'équipe ça, parce que son équipe qui vient pour travailler. N'a toujours été ensemble avec membre commission CNE à Quinton Louis qui fait connait, y a réintégré tout le monde, yo te mettait campé dans CNE. D'après lui, il a déjà réintégré plusieurs centaines de monde dans poste et puis ajouté tout d'après besoin yo plusieurs autres techniciens. Il est toujours dans le micro Rachel Saint-Fort avec le Lord Orly Jean-Jacques. Pas oublier nous dit les commissions ont arrivé dans CNE. Nous te joindre CNE l'état de dysfonctionnement.
Ça veut dire que le matériel était en panne. Mais tout le monde qui était travaillé dans le CNE, il était toujours là. Et voulait pour l'État haïtien continuer à payer même le droit de travail. Et m'a profité de dire non que, en dedans CNE, nous n'avons pas d'employés. Nous n'avons pas de contractuels. Nous avons des matériels. Moun qui kon utilise matériel yo, le gen travail, yo ba au travail, yo voye au travail et puis yo paye yo. Nous même là nous te rive dans CNE, nous te obligé prendre mesure pour que de mise en disponibilité pour que commission en lui-même li te ka travail. Et actuellement côté n'a parlé là, nous réintégrer plus que 700 moun qui t'a travaillé dans CNE, jodi a joindre réintégration yo. Parce que gen travail. Si la yo ki poko réintégrer, yo la en stand-by. N'a réintégrer tout moun qui t'a travaillé dans CNE. Pa gen yon moun qui t'a travaillé dans CNE kapri dehors. Étant donné que matériel yo la réparation ou pas qu'à réintégrer sans que pas gain travail pour faire. Nous réintégrer moun yo au besoin. Plus nous gain matériel qu'à préparer, c'est plus n'a réintégrer moun. Jodi an la gain moun qu'à réintégrer. Parce que nous gain matériel qui était en réparation qui rentrait dans base. Gain moun qu'à réintégrer. Et par rapport à travail, à volume chantier que président République la gain pour l'ouvrir dans pays a. Quantité employé CNE, il est trop petit. Nous allons obliger de faire appel à d'autres techniciens qui pour intégrer CNE pour que nous soyons capables de continuer le travail pour le peuple. Rapidement, on a jambé dans l'actualité en sous-plan international. Jean Tédil dans Grand Titio. États-Unis ajouté 3 pays dans la liste décrets migratoires. C'est Corée du Nord, Venezuela et Tchad. Pays qui étaient déjà sous liste là, c'était Iran, Libye, Syrie, Somalie et Yémen. Pour qu'on y ait un pays Soudan sorti sous liste. Décret migratoire n'a pas appelé le décret migratoire américain en version amendée rentré en vigueur 29 juin qui s'est passé à en suivre. Corée du Nord, Venezuela et Tchad, ces 3 pays qui viennent ajouter sous liste pays États-Unis interdit rentrer sous territoire américain d'après décret migratoire qui a commencé à appliquer à partir 18 octobre qui a venu là. Concernant Venezuela, interdiction pour rentrer aux États-Unis est limitée seulement à membres et une liste responsable d'un gouvernement. Fonctionnaires, ministère intérieur et affaires étrangères, force police, service renseignement et toute famille. Décret s'est prolongé pour 5 pays, Iran, Libye, Syrie, Somalie et Yémen. D'après Washington, il a prolongé l'interdiction au pays Sahyo à cause de manquer sécurité concernant les voyageurs, dans ce qui a été la gestion d'identité et puis manquer coopération dans le partage d'informations et puis dans quelques cas présence terroriste sur le territoire. Même décret ça a retiré pays Soudan sous liste pays côté situation, yo pas qu'à rentrer sous le territoire américain. Merci Betty. Et puis dans le pays Allemagne, chancelière allemande Angela Merkel partie pour son 4e mandat, li remporté victoire dans la dernière élection. Angela Merkel remporté l'élection à 33% voix. On suit. Chancelière allemande Angela Merkel sorti vainqueur dans tête élection législative qui était organisée dans le pays Allemagne. Côté li remporté l'élection à 33% voix d'après sa sondage bay après moun yo sot voté. Yon lot bo parti traditionnel social démocrate la rive fè 20 ak 21% voix. Chef parti CPDA Martin Schulz fait konnen li préféré rete fwa sa nan opposition. L'Allemagne est un pays fort. C'est avec cette devise que nous abordons les événements, que nous avons fait tant de choses et nous y arriverons encore. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Pi gwo moment kapitan chancelier allemand lan se rive mete kanpe yon koalisyon tout neuf. Parti social-démocrate la pa gen majorité, sa vle di se seulement avec libéral ou soit veyo yon alliance possible. Même si dossier immigration ak gaz la continue à faire gros débat. Et c'est là n'ap mete yon bout nan journal lan pou aswe a men rappel kek point ki te développé la dan. Thank you.
Président républicain Jovenel Moïse, accompagné ministre intérieur à la collectivité territoriale Max Rudolph Saint-Albin, visité samedi 23 septembre en plusieurs quartiers dans la zone métropolitaine Port-au-Prince-Lan, à qui ont l'école professionnelle qui fin construit dans WAF Jérémy. Chef l'État prend engagement pour soulager problème moun dans la zone Sahara. Ministre Affaires sociales et travail, Stéphanie Auguste, rencontré plusieurs handicapés jeudi à Nampétionville pour le capable de tendre doléances. Dans l'occasion, le ministre a distribué kit alimentaire par les participants. Responsable bureau avocat international, Maître Mario Joseph, félicité discours président Jovenel Moïse qui m'a des Nations Unies respecter engagement concernant l'épidémie choléra en Haïti. Défenseur droit Mounlan souhaite un bon dossier qui monte pour aider victimes choléra à joindre réparation. Dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, Corée du Nord, Venezuela et Tchad, ces trois nouveaux pays, États-Unis, ajoutés dans la liste des décrets migratoires américains qui interdit citoyens pays Silayo rentrer aux États-Unis. Merci tout le monde qui t'a suivi. Premier sorti journal pour semaine ça en présentation. C'était Liné là. Je remercie toute équipe là qui était mobilisée pour te rendre possible. Mais avant nous aller, nous voulons prendre un petit temps pour nous souhaiter bonne fête à collaborateur nous, Karl Henri Joseph, qui a fêté un nouveau printemps. Nous souhaitons lui une très bonne semaine, bonne fête. Et c'est là tout nous dit nous. Très bonne soirée, amis téléspectateurs. Restez branchés sur Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.